fabriquer ce blanc? Ben, je voudrais tout d'abord savoir ce qu'il y a dedans et puis on en parle. Alors c'est un assemblage. C'est un assemblage chardonnay et sauvignon. Au départ, on pensait faire deux cuvées différentes et finalement j'ai trouvé une bonne complémentarité parce que le chardonnay quand même qui donne des vins très généreux sous un climat solaire comme ça, ça risque d'atteindre un peu de lourdeur. Donc on met du sauvignon qui est ramassé assez frais finalement pour lui justement donner un peu de peps surtout en bouche. Alors moi ce que je trouve intéressant c'est la fraîcheur justement qu'on attend. On n'atteint pas toujours dans ces régions et dans ces climats un peu chauds, même si là on est forcément un petit peu en altitude. Mais c'est surtout la gestion de l'élevage, j'allais dire du bois, mais surtout du non-bois. Il n'y a pas de bois. Voilà, il n'y a pas du tout d'enrobage aromatique du bois, qui là aussi est très à la mode et vient souvent supporter ces chardonnays et les réalourdir encore plus. Mmh. Et là on est vraiment sur la transparence et un bel éclat, et ça donne beaucoup de... ce néologisme de buvabilité au vin. Mmh. Et c'est pas la dernière vertu d'un vin blanc que d'être buvable. Je crois qu'on gagnera dans le temps parce que c'est un vignoble qui est jeune encore. Et il faut aller vraiment travailler l'enracinement des parcelles pour justement extraire un peu plus du calcaire qui pourrait nous apporter un peu de salinité qui prolongerait encore les vins sur le final. La petite appétence, voilà, de fin de bouche. Juste ça. Bon, on reviendra pour les goûter. Ouais. Là, il y a du nez. C'est assez, c'est assez explosif. C'est très, très sur le fruit, très, très proche de ce fruit primaire juteux, croquant. Il y en a plein de verre. Il y a un côté un peu oriental dans la face épicée du vin. Ça, j'aime bien parce que ça colle bien à la région. Ça colle bien. Qu'est-ce que c'est comme assemblage? Là, on est principalement sur du Cabernet Sauvignon. C'est le cépage traditionnel, hein, dans toutes les cuvées de la BK. On a aussi du merlot, un petit peu de syrah. C'est le syrah qui donne la petite épice. Ouais, petit côté poivré. Ouais. Le petit poivre en finale. Avec un petit peu de petit verre d'eau aussi. On a essayé les mots raisins, mais c'est pas dans l'assemblage, on n'y arrive pas. Donc on reste sur ces cépages-là. Le merlot, il a tendance à être un peu, comment dire, un peu fragile pour ce climat. La syrah, ça va un bon comportement. Et le Cabernet Sauvignon, il résiste bien au climat chaud et sec. J'aime beaucoup la gourmandise et la fraîcheur de fruit qu'on a dans ce vin. C'est immédiatement buvable. Là, on se fait déjà très très plaisir. Un petit coup de carafe, on se fait plaisir. La question, c'est comment ça va évoluer. Je serais curieux de voir ça d'ici 3-4 ans. Et ben, tu reviens. Avec plaisir. Mais en tout cas, c'est très bon.